monde, parce que nous avons bien là, je veux dire, nous voyons nous allons bien quoi. Moi, un an des élections américaines. À un an des élections américaines, ça défait que j'ai pratiquement 4 ans pour. Il y a deux candidats, c'est le même candidat qui est en face de l'élection 2020, c'est le même qui est en face de l'IA et Auguste. C'est le même qui est en face de l'élection 2024. Donc, rappelons que c'est le premier mardi, mois de novembre, que l'élection est aux États-Unis. Donc, nous avons un an. Donc, ça veut dire que la bataille n'a pas commencé depuis qu'on y a là. Tout le monde commence mon petit genre à ranger papier, ranger, chercher qu'on est bien tout ça. Que vous devez parler avec l'électeur. On parle de éventuellement les capables président sortant, Joe Biden, face à l'ancien président Donald Trump, qui peut-être a mené dans la tendance et opinion dans le parti républicain. Qui pour qu'on bon candidat parce que en principe c'est candidat qui a mené campagne puis représente parti. Donc il t'a semblé beaucoup de démocrates c'est Joe Biden et beaucoup de républicains t'a semblé que c'est capable et Donald Trump qui lui-même a mené dans intention de vote parmi les républicains parmi électeurs républicains. En tout cas nous avons l'autre nouvelle c'est actualité super internationale c'est surtout et il y a des pèlerinages en particulier, il y a un côté avec les responsables israéliens. On est donc bien en Hamas avec Israël. Il se trouve exactement sur moi, je dis à faire au moins de la diversité le 7 octobre. Déniché M. Amasio et M. Amasio fait un tour, il fait carré ouais parce qu'il même tout, il n'y a pas de et bien il fait carré quand il est devant, donc son guet, donc nous en moi, c'est un conflit pour otages et pas otages jusqu'à présent. Et il y a peut-être condition, par exemple, les États-Unis demandent les Américains. Avec le ministre Benjamin Netanyahu, demande pour que font cesser le feu. Mais je dis oui, à condition que Hamas libère otage. Bon, sinon ça a beaucoup réalisé. Mais otage, monsieur toujours libère otage, on est sur le nez pour l'évacuation parfaite. Et à tout qui possédait l'histoire de l'économie. Donc c'est un entre Hamas. Israël, c'est
Et en fait, et caméra télévision locale qui est monté président de Chita dans la salle là, montré à tout comme Chita. Il va même un petit sourire par la caméra. Caméra eux-mêmes, parce que tu peux mettre la caméra en train de faire une petite photo. C'est marketing lié, c'est politique tout, pour montrer au moins que tu es là, le monde entier à toi. Je suis un passé à une petite photo. Et avec l'autre. Et sur le dossier, ça a été dit, ça a connu tout de dossier, ça a été fait de relâcher la vie. L'augmentation, enfin, l'opportunité, 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 etc. C'est des dossiers qui là. Et puis nous parlons dans le pays d'Haïti, donc la police là. Alors bon, on commence avec le Tifouya. Et selon la loi de la capitale haïtienne, la porte de Tifouya, et qui est gagné dans le zone d'Elma, la police est déjouée dans le temps de la kidnapping qui est dans le temps de la capitale. C'est pour que tu as identifié comme bandit ou comme kidnappeur. Mais si tu as mis un bon contact avec la police, et bien, nous sommes en train de nous journaliste, nous sommes en train de nous faire un travail, qui nous face. Il était constaté, il était dit simple, il était constaté, même il dit, ouais, jusqu'à 7 mois. Et 7 mois que la police, il est sous place, la police, c'est des gens qui n'ont pas contrôlé, qui n'ont fait un kidnapping, etc. Jusqu'à présent, il y a des détails qui ont fini clair net, et sous mon yo, mais au moins, il y a un l'envoi. En tout cas, c'est ça que il y a un porte-parole nationale là qui est sur place pour la finance. C'est ça que vous dites. Mais par les détails, c'est que vous avez des problèmes. C'est ça que vous avez des problèmes. Manquer des détails, surtout pour les questions, est-ce que vous avez des problèmes? Mais vous dites que vous avez des problèmes. Et sur un témoin qui parle avec le journaliste là, et M. Guérin est venu à une mission. Et nous allons parler de M. Moury, le cadavre était là, il est dans l'ambulance. Et jusqu'à ce qu'on parle avec lui là, il est dans l'ambulance. Je suis prêt pour nous faire tout ça pour regarder le cadavre. Nous avons tout la police tout est dans un gros laissé-frappé avec l'autre groupe. Dans la même encore, ça c'est dans le sud capital là, on a parlé dans la zone Mariani, chez l'Obsotiche, n'importe quoi, il y a dans le sud. Mais monsieur Sayo, il y a même venu, il est venu, d'après ça la police dit tout, et ça son inspecteur police dans la zone même qui fait des places pour la presse. Il dit monsieur, il y a des intentions qui viennent pour des films par contrôle. Zone pour les mines faites, t'as combien de fait? Et dans le commencement de l'offre de la capitale là, il y a beaucoup de contrôle zone. Parce que jusqu'à présent, monsieur est toujours là et la police dit que route la ligne ouvre, mais on m'a dit que vous allez prendre plus de précautions. Il a passé mon soir. Monsieur est en mode, et de temps en temps, monsieur tire quelques balles, quelques fusils. Au moins, la police a arrêté. Mais c'est pas la première fois, non? Et les amis, c'est une bonne marche, ça. Et la deuxième
mais ça va dire ça va mettre ça va aller chauffer yo ta bien plus taxe et après la paix avec le sud la paix nous les enfants on va un petit peu ensuite on va payer une taxe là encore et ça va dire que qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est usager ou passager le passager pour la paix du chemin là quand il mais monsieur sauvé à une autre machine à police. D'après ça, je vais dire toujours sur Médiane Capital, les machines, ça, beaucoup jusqu'à matin, il faut qu'on amène la police. Donc la police, une machine qui est perdue, et puis on dit que l'État s'est fait un policier tout, qui ne répond pas à l'appel. Il y a l'autre nouvelle sur les policiers, ça ne répond pas à l'appel, là, mais je ne pas confirmer, je ne pas confirmer. Et donc, je ne suis pas répondre à l'appel, mais monsieur, il est. Il y a des gens, des civils qui sont morts dans beaucoup de temps entre monsieur Améo et Améo. C'est parlé de là, nous avons peut-être deux ou trois mois de cette journée. Il y a déjà des corps qui ont parlé de mandat ou bien encore de commissaire dans le cadre de la cette journée de 2024. Il n'y a aucune condition et pas grand-chose qui fait pour montrer qu'effectivement, Abdien est le président. C'est le président. Donc, Paul vous a parlé que, comme quoi, le commissaire a cherché pour que pour y en allant sur quoi, pour que prolonger à quoi, pour une date, mais il passe un peu ça pour avancer, mais c'est le président qui a parlé. Il y a comme un temps d'entour, il y a comme un temps d'entour. Il y a comme un temps d'entour, il y a comme un temps d'entour, il y a comme un temps d'entour, ensemble avec un groupe qui a focus, un groupe qui est formé récemment, il était parti même pour dire que le premier salaire là doit aller parce que ce n'est pas rien qui fait. Il peut aller, il peut venir avec une promotion, mais pas de rien. Au fond, il était seulement, il faut que date de grâce soit faite comme ça. Eh bien, à comment on a pour venir avec une promotion pour que les présidents de promotion, sous façon que il était quoi que le premier salaire a. Ailleurs, l'État doit aller et qui ça, l'État de fait, pour en passer, de parler de l'ensemble. En fait, de qu'est-ce que c'est de nous pas bien, trois membres. D'après Jean du premier là, mais qui t'a ce l'État de bien, sept membres là-dedans. Donc, c'est pour vous changer en fait. Donc, on invite l'État et les acteurs de l'État présentés dans le journal Radio sur télévision. La vie nous parle de tout ça et nous n'en faisons pas. Son gros manque à gagner pour le fait que Haïti va venir acheter encore. Donc, il raconte le mandat du gouvernement, dégage au commerce général pour que nous entendions avec l'État haïtien pour que le foncier ait l'ouvri pour que l'activité commerciale reprenne dans deux pays. Mais jusqu'à présent, le gouvernement haïtien n'a pas dit rien. Il y a une délégation de l'État haïtien, une délégation de l'État haïtien, une délégation de l'État haïtien, une délégation de l'État haïtien.
pour sous le président dominicain Luis Abinader. Tellement vrai, il était fermé tout moyen transport, ou bien accès aux forces maritimes et terrestres pour aller avec Haïti. C'est très récemment pour nous de nous surprendre. Pour eux-mêmes, le Dominicain de Haïti a fait le canal, a poursuivi le canal de l'Afrique, parce qu'eux-mêmes ont poursuivi déjà 11, et si c'est pas bon, ils ont déjà mis, ils ont poursuivi déjà, et Haïti a déjà mis, et ça n'a pas été. C'est parce qu'Haïti n'a pas vraiment pas, pas vraiment pour le reste. Haïti était au courant de la dernière, mais pas au courant, mais en tout cas, le président Dominicain a réagi sur ça. Et donc, et ils estimaient qu'ils ont perdu en pile, en pile, en pile d'argent. Et donc c'est ça la situation là, et puis il y a une organisation. Plusieurs organisations haïtiennes dans la diaspora, particulièrement au Canada, qui ont un comité qui a géré le sous-son Canada. Même le gouvernement dominicain qui est surprenant avec réaction que les Haïtiens fait face à la décision que les prennent parce que tout Haïtien est à mourir, grand goût, le fait que le bataille vient acheter manger en Dominicain. Et voilà que le frontier encore, c'est pas. Donc ça encore. Il y a toujours des activités contrebande, toujours des monde, la police qui est mise en mouvement, tu as vu une cavale basse en bas fine. Voilà ce qui va en Haïti et ça. Mais là, c'est pas le qui parle même beau, même qui que le jeune groupe monde que aucun B mettait eux dans prison bien quoi dans centre de tension qui est de Aina et puis après ça il y a les dépositions et une organisation qui la frontière quoi le chiffre là lui a des balles parce qu'on sait ça nous on parle d'un petit peu d'immigration côté américain on va gâter tête pour venir sérieusement parce que mon deuxième caravane qui quittait et t'as battu la main, t'as passé, t'as qui séparé, lui qui séparé Mexique avec Guatemala, et bien, immigrants à eux, latino plus fort, et bien, hier dimanche encore, ils font une caravane, une deuxième caravane, partie pour aller rejoindre l'autre, qui est déjà sur route, mais l'autre caravane attend, ils font un seul groupe, pour mettre tête en direction nord, et aller en direction nord, pour aller au Mexique, et avec ce qui va faire, c'est un peu. En parlant de frontières, il y a un chargé d'affaires américain en Haïti, M. Sotomayor, et récemment, sur l'ambassade, il y a une grosse déclaration contre les Haïtiens qui ont quitté Haïti à partir de Haïti.
l'État encore, je vais te faire connaître. Et premièrement, il y a un problème, c'est riche à prendre. C'est riche à prendre. Et puis, il n'y a pas réussi dans le pays ça. Et puis, les États-Unis, les protégés, ils ont été encouragés. Pas risquer la vie, non. Moi, je vois ça. Pas risquer la vie, non. Je vois ça parce que c'est la quitte qui a pu nous casser, mais nous, pas comme nous, mais nous, et nous avons vu ça. Juste avant la déclaration, ça, vraiment, haïtien. T'es sorti et t'es demandé à l'aviation civile Haïti à Paris de Tournac. Et interdit tout voyage à soutien en Haïti pour aller au Nicaragua jusqu'à l'Europe parce que d'ici le pays d'Amérique, ça fait le pays. Et il t'a dit que c'est une décision provisoire et que très bientôt, voyage à ce propre. Mais il dit très bientôt, il va au Télé et il a suivi le problème. En plus, il y a des gens qui disent que le son n'est pas bon.